Tendance Ouest. Tendance Ouest. L'éphéméride. Ce lundi 27 juillet, nous fêtons les Nathalies. Et c'est un 27 juillet en 1940 que le célèbre lapin Bugs Bunny a fait sa première apparition dans une bande dessinée. Quoi de neuf, docteur ? Bugs Bunny a donc 80 ans. Notons qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laurent Bignola, l'animateur de Télématin sur France 2. Et ça fait 50 ans, jour pour jour, que l'inoubliable Bourvil nous a quittés. 1990, la célèbre De Chevaux prend sa retraite. La dernière sort de l'usine au Portugal à 16h. Au total, 7 millions de De Chevaux ont été vendus depuis 1949. En 91, le numéro 1, c'était Les Inconnus, avec Auteuil-Neuilly-Passy. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? 4 semaines en tête des ventes, tout de même. Et aujourd'hui, le hit de l'été que je vous ai sélectionné, c'est la méga connue Macarena, interprétée par Los Del Rio. Sorti en 1993, le titre connaîtra un succès planétaire en 95 et 96. Podcast by Tendance Ouest.